Du coup, ouais, depuis hier, hier soir, je suis sur Starry en 7G. Alors, pour tout vous dire, j'ai commencé Starry sur Pokémon Let's Go. J'ai fait ma chaîne de 31. Et malheureusement, il pouvait spawn en dehors de l'écran, puisque on n'est pas dans des hautes herbes, on est sur la mer. Et qui pouvait pas spawn très très loin en dehors de l'écran, mais il pouvait spawn quand même sur les côtés de l'écran, ce qui me faisait une consommation de parfum extrêmement abusive. Donc j'essaie d'aller en 4G. En 4G, Starry c'était trop compliqué parce que j'allais forcément tomber sur autre chose en fait. Et que je ne pouvais pas faire de méthode repousse. Du coup, je suis allé en 7G. Et là, la révélation. La révélation. C'est-à-dire que j'ai commencé à faire des resets. J'en ai fait une trentaine. Ouais, 4G hors Pokéradar, c'est vraiment trop dur. Parce que tous les Pokémon d'une zone, en fait, ont forcément tous le même niveau, en fait. À part un qui va être sous level, mais du coup, bah, on s'en fout. Mais en fait, t'en as pas un qui va se détacher et qui va être à un niveau au-dessus pour aller faire de la chasse aux repousses. Donc en fait, c'est trop compliqué d'aller chasser sur cette version. Mais heureusement, on a l'excellente 7G. Je suis dessus depuis hier soir. J'adore. J'adore parce que. Eh bien en fait, je me rends compte que se balader dans Alola, c'est excellent. Et puis en plus, il y a tous les Pokémon jusqu'à la 7ème génération. Donc c'est encore plus excellent. Donc j'ai commencé à faire une trentaine de resets sur la plage avec un taux de 80% contre 20% de bac à bout. Donc il y avait deux trous dans le sable que je resettais en boucle. Je faisais un, puis l'autre, puis reset, un, puis l'autre, puis reset. Et au final, mon chat m'a dit, mais mec, essaye une petite orbe. Une petite orbe pour les apeurer. Et puis c'est là que d'un coup je me suis rappelé que depuis la 6G il y avait des nouvelles méthodes. Donc en 6G on a les hordes. Et en 7G on a la méthode SOS. Donc j'ai remis encore mon compteur à zéro. Et j'ai fait 220 rencontres hier qui n'ont rien donné. Et là depuis ce matin je suis dessus. Et donc j'ai fait de 220 à 369. Rien n'est tombé. Mais du coup, je suis sur une chaîne plutôt pas mal, sachant que du coup, via la méthode SOS, 1 sur 273, du coup, la méthode SOS, en gros, tu as des chaînes, des paliers de chaînes, vous n'avez plus accès à Internet. D'accord. D'accord. Ma connexion a crash. Ma connexion a crash. Drop. Voilà. Drop. Drop. C'est en train de revenir. C'est en train de revenir. Tristement, mais ça revient. Ça ne revient pas. J'ai de la co, mais pas d'OBS. Mais pas sur OBS. C'est très bizarre. Ça n'a aucun sens ce qui se passe. Ah, c'est bien, c'est pile quand je lance un live en fait. Ça n'a aucun sens. Vous êtes déconnecté. Bah ouais, en fait. Bah oui, en fait, je le vois. Ah, je suis reconnecté, d'accord. Après, si j'ai pas droit au bonheur, vous pouvez me notifier, quoi. Vous pouvez me notifier. Re tout le monde, re. Alors ma connexion n'a jamais coupé, mais OBS était à zéro. Je sais pas ce qui s'est passé. Peu m'importe, je vais supprimer la deuxième notification du coup sur Discord qui n'a aucun intérêt. Qui n'a aucun intérêt. Je vais supprimer la première, allez, soyons fous. Du coup, OBS dans les chaussons, tout à fait. Je disais. Quand vous faites 5 appels SOS, vous passez à 1. Avec le charme chroma, vous passez à 1 sur 1366.
Quand vous faites une chaîne de 10 staries appelées, vous passez avec le charme chroma à 1 sur 565. Et quand vous faites une chaîne avec le charme chroma de 20, vous passez à 1 sur 376. Mais moi, j'en ai tué plus de 150. Et au-delà de 30, avec le charme chroma, vous êtes à 1 sur 273 avec 15% d'avoir 4 IV max. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Sachant que sur la chaîne de 1, enfin sur la chaîne de 5, non, c'est pas ça, j'ai de la merde. Je dis de la merde. Parce que j'ai peut-être, c'est peut-être parce que j'ai les pieds dans l'eau, mais c'est, bref. Non, je dis de la merde. Avec une chaîne au-delà de 30, vous avez 4 IV max garantis, mais 15% de chance d'avoir un talent caché. My bad. Sachant que sur une chaîne de 20, c'est 3 IV max, 10% de talent caché. Sur une chaîne de 10, c'est 2 IV max, 5% de talent caché. Et sur une chaîne de 5, c'est 1 IV max et aucun talent caché. Voilà. Donc là, on est maxé. On est maxé. C'est-à-dire que si on a un shiny, il aura 4 IV max. Il a 15% de chance d'avoir un talent caché. Mais en attendant, avec le charme chroma, on est en 1 sur 273. Et sans le charme chroma, c'est pas beaucoup plus... Voilà, c'est 1 sur 315. Par contre, cette histoire de pied dans l'eau, je... En fait, j'ai l'impression qu'il y a une rivière qui... Il y a un genre de rivière qui coule. Parce que ça ne s'arrête pas, en fait. Pourtant, la bouteille, je l'ai enlevée. J'ai jamais eu le charme chroma sur la 7G. Eh ben, du coup, moi, je l'ai récupéré... Très content, bien adoré. Ou bah si on tombe sur ce Starry Shiny, on ira l'envoyer directement sur le home. Parce que c'est ce qu'on veut dans notre vie. C'est tout ce qu'on veut. Voilà. Du coup, on continue. On continue là où nous en étions. C'est-à-dire que ben là on va faire un petit fauchage. Voilà. Donc je suis là depuis. Je suis en train de faire ça depuis quelle heure? Je me suis levé à 7h30. Ah, je dois faire ça depuis 9h30, je pense. Un truc comme ça. J'ai failli lancer une matinale, ou même 8h30 peut-être même. Je pouvais lancer une matinale, après je me suis dit. Et puis voilà, il est pas shiny. Sachant que régulièrement, je dois tuer celui que je garde pour pas qu'il fasse lutte. Bien sûr. Donc ça, c'est une autre histoire, encore une fois. Hop. C'est une autre histoire. Et bien sûr... Deux fois sur trois, il n'appelle personne à la rescousse. Donc ça, c'est emmerdant. Voilà, je me soigne. Mais c'est emmerdant parce que je dois faire des fauchages dans le vide. Et puis ça me pète les couilles et j'ai quasiment plus de soins. Et ça, c'est pas fou. Ça, c'est pas dingue. Donc voilà, on est avec ma team de l'époque, de quand j'ai fait le jeu. On est ma team, pour ceux qui veulent voir, je peux la montrer, voilà, c'est ma team d'à l'époque. Ces 4-là ont gagné la ligue, de là non. Ah, on voit pas mon écran, c'est vrai qu'on voit pas mon écran du bas. Un sécateur fait l'inferno, Archiduc, Pikachu, ils ont gagné la ligue. Et Tritosaur et Picléron, non, mais Tritosaur il a le talent glu. Donc, il est très intéressant. Voilà. C'est vrai qu'on voit pas mon écran du bas. J'ai trop l'habitude de, comme dans mes let's play, on voit l'écran du bas. Mais en fait, sur du Shiny Hunt, j'ai fait le parti pris de ne pas le mettre. Parce que j'estime que ça sert à rien. Mais du coup, c'est vrai que oui, moi, je joue sur l'écran complet. Donc, je vois les deux. Quand je tourne ma tête, je vois OBS. Je vois que vous ne voyez pas l'écran du bas. Mais comme moi, je le vois... En principe, vous voyez tout ce que je vois. Par contre, tu peux appeler, s'il te plaît, ou c'est pas possible? Ben voilà.
peux appeler des gens ou pas? Je peux pas appeler des gens? Merci. Tu peux appeler un shiny s'il te plaît? Il appelle personne. Il appelle jamais personne lui. Je pense qu'on est sur le Starry qui n'a pas d'amis. Le fameux Starry sans amis. Il est là. Ou alors c'est peut-être que j'ai décimé toute l'espèce. Donc en fait il appelle mais personne lui répond. Ça on sait pas. C'est moi ce Starry. Ah ça peut être moi, ça peut être toi, ça peut être... c'est un peu ça. On peut tous se reconnaître en Starry, je pense. Enfin tous. En tout cas nous. On peut se reconnaître dans ce Starry. Et c'est triste. Du coup on est à 371. Je crois qu'il faut que je tue suite gauche vers les 80 si je dis pas de bêtises. Ou les 90 même. 90 jours. Je sais plus. J'essaie de tuer un Starry, le Starry qui reste tous les 25 à peu près. Parce que je sais pas quels sont les PP de ses attaques. J'ai pas été voir. J'aurais pu optimiser en allant voir Buldo, je sais pas quoi. Bref. Vague psy et tout pour faire des calculs. Mais j'ai pas fait. Du coup, je les tue à peu près tous les. Les 25, prends pas de risque. Après, si Buldo c'est 30, bon. Sachant qu'il a d'autres attaques. En fait, j'aurais dû consulter ça. Buldo, c'est combien de PP? Buldo. Pokémon. 20 PP, ok. Et vague psy. Vague psy. Alors je l'ai mal écrit, j'écris ag psy, c'est peut-être pour ça que pas l'info. Et vague psy, bah j'ai toujours pas l'info. Et sur la page. C'est 15, ok. Donc ça veut dire qu'en gros, tous les 35... Ça veut dire que, sachant qu'il a d'autres attaques, on peut tuer un Starry tous les 40. On peut tuer un Starry tous les 40. La dernière fois que j'ai tué, c'était à 60, je crois, je sais pas. Je crois que c'était à 60 ou à 50. Pas grave, on va prendre le risque d'aller jusqu'à 400 avant de le tuer. Prenons ce risque. Puis voilà quoi. Que dire de plus, à part que Starry Shiny n'existe pas. Il n'existe pas, il existe nulle part en fait. Dans aucun jeu il existe. Alors je sais que tout le monde l'a. Enfin tout le monde. Toucan il a tous les Shiny donc il a. Qu'il a tous les shiny. Voilà quoi. Alors ce matin j'ai fait un peu d'Arceus aussi. Et en fait ça m'a emmerdé. Je suis désolé mais en fait quand je regarde des VOD de ce jeu, ça me donne trop envie d'y jouer. Et dès que je lance le jeu ça m'emmerde. Ça m'emmerde. Le gameplay m'emmerde. Le fait de se faire attaquer par des Pokémon ça m'emmerde. Les temps de chargement m'emmerdent. Tout m'emmerde en fait. Par contre la DA elle est belle. Avec le recul c'est vrai que la DA il y a quelque chose. C'est vrai que le parti pris de la direction artistique est beaucoup plus... comment dire. Il y a beaucoup plus à patte que la 9G ça c'est clair. Réparti pris. Mais voilà, le jeu m'emmerde en fait. Et Starry aussi m'emmerde. Ça c'est une autre histoire. Alors...
Clac, clac, boum, boum, Bayonetta. Boule d'eau. Petite Red Bull pastèque. Qui passe crème. Bientôt 400 rencontres. Toujours pas vu la couleur d'un shiny. Je pense que j'ai été maudit depuis ce shiny. Je pense que quelqu'un l'a en travers de la gorge. Qui, je ne sais pas. Paris apparaît. Et il est pas shiny. Ouais, mais encore. Bon, j'imagine que vu l'heure, il n'y aura pas grand monde sur ce stream. Nous sommes vraiment en début d'après-midi. Que les gens ont une vie, ont un travail. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Excusez-moi, j'ai des pulsions des fois. Des remontées gastriques. Mais bon. Je fais ça depuis 8h du matin hors stream. Bien sûr, j'enregistrais de mon côté. Au cas où, si ça tombait. Je faisais un petit local record dans mon coin. Mais je me suis dit, autant le faire en stulimu. Si on peut gratter 2-3 follow. Quel chef-d'œuvre, Starry. C'est vrai. Mec, c'est incroyable comme. Tu l'as le shiny ou pas? Parce que j'ai l'impression que tout le monde l'a. Sauf moi. Tu l'as eu dans quel jeu dans Épée? C'est de comprendre comment les gens peuvent tous avoir ce Pokémon. Y'a la GTS. Ah ouais, pas mal. Pas mal. Ah ouais, bah là, c'est Starry. C'est le Starry. Putain, je peux pas utiliser les. Je peux pas utiliser les samples si je suis pas dans un channel. Ça, c'est pas cool. Le Starry, quelque part. J'en ai déduit que j'avais été un enfant japonais dans une vie antérieure. Ayanami. Il est où l'autre? Ah là. Asano Hikari, Kanada Juni, Vitala. J'ai toujours pas la ref de ça. Non mec, je vais te régaler, c'était pas la ref. T'as pas la ref. Je t'ai envoyé la ref de suite puisque je l'ai sous le coude, en fait. Je l'ai sous le coude. Moi, je vous le dis, c'est le roi. C'est notre père spirituel. Sans des gens comme ça, on n'en serait peut-être pas là. Tu vois? Sans des gens comme ça, on n'en serait pas là. Il y a toujours des gens qui essuient les plâtres dans tous les domaines. Tous les domaines où on prend les gens pour des fous, dans les domaines un peu marginaux. Voilà, que ce soit la Japanim, les jeux vidéo, le stream, le rap. Tous les trucs un peu où
forcément les trucs nouveaux, les trucs... On va te prendre pour un fou. Et 30 ans après, c'est normal. C'est normalisé. Bah, lui, je pense qu'en 99, il était pris pour un fou. Alors qu'aujourd'hui, un mec qui a 200 épisodes de Naruto sur son PC, bah, c'est normal. Bah, c'est normal, non, parce qu'il regarde en streaming. Mais bon, c'est normal quand même. Alors qu'avant, un mec qui avait 200 cassettes vidéo d'Evangelion, on le prenait pour un malade mental. Et ça, c'est grâce à des gens comme ce mec qu'on en est là aujourd'hui. Et ça, c'est beau. Donc voilà. Ayanami ! Oh, le bouclier ne va pas tenir. Le roi. C'est exceptionnel. Ah, la vidéo est incroyable. Moi, j'ai tombé sur ça sur TikTok il y a un an, tu vois. J'ai tombé sur cette vidéo sur TikTok. Et j'avais tapé une barre monumentale. Et du coup, j'avais cherché son Insta et bah, je l'avais trouvé. Et il y a pas longtemps, tout quand il me parle de cette vidéo et je fais « Mais mec, cette vidéo, je l'ai déjà vue, je la connais, elle est incroyable et tout. » Et du coup, bah, c'est... On en est là, quoi. Un starry de plus. Et il n'est pas chagrin. Bon voilà, sinon petit overlay 3DS là, moi j'aime bien, on est à la plage, il y a une petite ambiance, voilà, j'en ai pas parlé, mais voilà quoi, il y a notre ami Satoshi qui est là, notre ami le prof Euphorbe, Euphorbe ouais, oh, c'est Euphorbe, hein. Je sais pas, j'ai pas fait ce jeu depuis 5 ans donc... Mais il a une bonne nuque à s'appeler Euphorbe. Puis voilà quoi. Ayanami. Le bouclier ne va pas tenir. Ah, il appelle à l'aide. Tu peux appeler à l'aide un shiny s'il te plaît. Putain, ça aurait fait un excellent clip pour TikTok, ça. Je pense que j'aurais percé avec ça. Je pense qu'avec ça, c'était le succès assuré. Je pense que je devrais le faire à chaque apparition. Comme ça, il y en a forcément un jour où ça marchera. Je le mets sur TikTok et là, instantanément, 8 millions de vues. Ce mec a prédit l'arrivée de Starry Shiny pendant un live stream sur Twitch. OMG. C'est la version 8.2.0.1 bêta. Instantanément. C'est le combat le plus long du monde par contre. Hein. C'est un combat qui dure depuis 9h du matin. Hein. Allô. Putain, t'as raté. Je viens de montrer le reportage, mec, de Ayanami à Yori qui connaissait pas. Il a raté. À 5 minutes près, ça s'est joué à la Mac. Ayanami ! Le bouclier ne va pas tenir. Ah, mais t'as là. Ah, je vais lui mettre, il connaissait pas. Le bouclier ne va pas tenir, c'est une phrase de fou, ça. Non mais comme je disais à Yuri, après je suis allé sur son Insta aussi, j'ai montré son Insta, putain t'as tout raté mec. Il est marié avec une japonaise, il est trop heureux et comme je disais c'est vraiment grâce à des gens comme ça que les mentalités ont pu évoluer en vrai hein, sur ce domaine là. Tout raté le bonhomme. Et ça reprend le taf à quelle heure là? T'as fini? Je fais 5h midi et demi, je suis éclatax. Ah ouais. Ouais, t'es finito là.
Mais je veux ce chamallow. OMG, une conva 3 avec Yori? Non, il n'oserait pas. 3 Shiny Hunters? Il n'oserait pas. Je me suis levé à 7h, je suis mort sa mère. Alors j'ai rien fait. Je fais du Shiny Hunt depuis... Direction le farm. Je suis en train de chasser depuis... 8h. Ouais, vas-y Yori, t'inquiète. Allô? 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 C'est bon, j'ai eu qu'un d'allô. Aïe, un ami! Aïe, un ami! Non, le bouclier va pas tenir! C'est légendaire ça! Attends, par contre, t'es trop loin de ton micro, toi! Ah oui, putain, il est trop dessus, je suis con, my bad! Attends, c'est bon! Salut à tous, c'est Maître Toucan! Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo! Tu penses? Ouais! Putain, ça fait 4 heures que je suis sur ce. J'ai fait déjà 4-8 sandwichs! T'es sûr qui? Ah oui, Chamallow. Chamallow. J'ai peur de pas le voir, bonhomme. Ah, et quand je disais ça, tu m'insultais, hein. Mais non, il se voit. Il se voit et tout. Et t'es que j'ai dit ça pareil pour Férocinge. Bon, Férocinge, je l'ai. J'ai juste un mini doute. Ouais. Et j'ai envoyé mon champignon, il m'a dit non, tu vois. Ouais. Genre, sinon, je l'aurais jamais croisé. Je te jure. Il est pas Shiny Lock, ce Chamallow. Bah non, du coup, non. Des questions qu'on se pose tous à chaque fois. Oh oui. Il y a plusieurs phases. Il y a le déni. La rédemption. La génie. Il y a le jeu bugué. Le shiny lock. Ils l'ont oublié sur ma cartouche. Ah oui. Ah, il y en a. Il y en a. C'est bon. J'ai deux cartouches. Normalement, il y en a bien sur la tête. Ah, j'espère que c'est pas le même numéro de série. Ah oui. Aïe, 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 aïe. Coup dur pour Yori. Oh, j'ai eu deux petits boudets coup sur coup, genre en moins de 5 minutes. Ah ouais? Ouais, donc si vous voulez un petit boudet en échange, même vous le donne si vous voulez. Je suis comme ça, moi je suis généreux. Matin, j'ai chassé Togepi sur Arceus. Ah, et alors? Et je l'ai pas eu. Togepi, c'est un des rares que j'ai pas eu encore. Le problème, c'est que l'apparition massive, bah, elle a qu'un... Genre, en gros, il y en a 6, tu les fais fuir, il y en a 6 qui rip-up, ouais. Et c'est fini. Et vraiment... Le gros truc où il y a des points d'interrogation partout? Ah, mon ref. Ah non, c'est pas ça, alors. Ah, mais genre, non, les trucs, oui, où genre, t'as sa tête sur la map. Ouais. Ouais, ouais, non, moi, je te parlais des points d'interrogation partout. Non, ça, non. C'est les méga apparitions. Ouais, c'est ça, là c'est où les méga. Ouais, ouais, ouais. Et c'est là où c'est le plus intéressant, parce que t'as plein de Pokémon, d'accord, t'as pas celui que tu cherches, mais souvent t'as des petits raviers et tout, et à un moment donné, quand tu les fais, quand tu t'en fais un sur tous les... ce qu'il faut faire pour avoir le Goinfrex, et Goinfrex, tu lui donnes 5 Bégoya. Ouais, ouais, j'ai vu une vidéo sur ça. Et bien c'est un truc où sur la map, il y a des étoiles, non, c'est pas ça? Parce que le mec, tout à l'heure, j'ai vu une vidéo, en gros, il donnait de la bouffe à Goinfrex. Ouais. Et en gros, et puis, sur sa map, il y avait des... Tu vois tout, tu vois les têtes des Pokémon sur la map. Ouais. Et en gros, au-dessus des têtes de Pokémon, si t'as une étoile, ça veut dire qu'il va y avoir une deuxième vague quand t'auras fini celle-là. Exactement, ouais. Et que soit tu peux avoir des Pokémon barons ou des trucs... ça va être une deuxième vague plus dure, en gros. En fait, c'est soit des barons ou soit, par exemple, des fois, t'as des étoiles sur Tarsal. Et en fait, la réapparition, c'est que des garde-boire. Oh, voilà, c'est ça. Exactement. Et ça, c'est sympa. Et ça, j'étais pas au courant, ça. Je connaissais pas. Ouais, bah moi je l'ai appris à mes dépens, en vrai. Ouais. Et sache que ça marche aussi, même s'il n'y a pas les étoiles. Il y en a certains où... Ah ouais, ça peut quand même... Ouais. Ça peut, ouais. Ok. Ouais, je testerai ça. Non, putain, il est déjà en stream, l'autre elle gueule, c'est incroyable. Ah, j'aime trop le buzz. Vitala. Vitala. Ayanami. Ayanami. Le bouclier ne va pas tenir. C'est une légende. C'est vraiment la meilleure vidéo que j'ai vue depuis le début de cette année, c'est incroyable. C'est incroyable, celle-là. Elle est exceptionnelle. C'est une légende, ce mec. C'est une légende du, c'est une légende du paf, c'est incroyable. Incroyable. Clairement. Je me sens changé après avoir vu cette vidéo, tu vois. Mais oui. C'est un peu le mec en plus.
Je te jure, c'est un bon. Ayanami. Bouclier ne va pas tenir. C'est avec ces 97 cassettes que Christophe non, 200 cassettes. 200, ouais, ouais, le mec, 450 000 cassettes, c'est bon, wow. Une légende. Alors, je suis un otaku, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la Alors que. Mais ça se voit qu'il est, passionné, le bonhomme. Dans la il en a rien à foutre. Il fait utiliser péjorativement. Ah, oui. Ah. Je pensais qu'il regarde Otaku. Ah, ouais. Otaku, mec. Oh! OMG. Ah, métal. Métal. Je vais avoir ça dans la tête toute la journée. Mais oui, mais c'est fini. Une fois que je suis là, c'est terminé. Ah non, il y est pas, c'est vrai. Déco? Bah, déco reco. Ah, déco ouais, reco. Bah, logique, ouais. Ouais, ils sont bien, merci. Mais tu peux pas les mettre sur Discord, sur mon Discord, non? Non. Envoie-moi les MP3. En t'as, vrai. T'as des slots trop limités ouais, sur Discord quand tu payes pas. Et nous, on paye, nous. Ah ouais? Omar, il paye alors. Mais non, mais juste que. Et Idiot, il paye aussi. Le serveur, il est nitro et tout? Ouais, mon serveur, il est boost de 2 niveaux là. Enfin, niveau 1, mais 2 boosts. Ah par contre j'ai pas les ceux qui sont coupés, j'ai que... Oh non. Oh non bah ça, oh non, oh non. FF. Ah non ouais. FF. Attends bonhomme. FF. Ah y'en a mis. Parce que non moi j'ai toujours les trucs bien. Ah ouais. Ah j'ai tout quoi. Toi tu peux mettre plus de 5 secondes ou pas? Pas. Hein. Non plus de 5 secondes tu peux pas, même en ayant le premier. Ah si, mais toi tu peux couper. Ouais. Ah ouais, absolument, un truc de 5 secondes. Bon, tu voilà. Peux Grégory aussi. Hop là. Grégory coupé. Grégory aussi. Tu peux la Vologne. Non. C'est pas la ref. Et si, la Vologne, il a dit, bien sûr que t'as la ref. Attends, la Vologne. Oh la putain, Vologne. Oui. Ah, non. Mais non, mais c'est trop sale. J'ai la ref, quoi, j'ai rien, tu vois. Bah... Tranquille le fou. Moi ouais. Je pensais sa mère, je vous le dis. Non, mais ah. Non mais c'est non. Impossible, gros, c'est impossible que ce soit elle. Mais non, mec, j'ai regardé un milliard de docu, c'est impossible que ce soit elle. C'est pas elle, c'est elle. C'est pas elle, c'est pas elle. C'est sans pour elle, gros. Comment tu laisses ton gamin dehors et t'entends rien qui se fait embarquer, le bonhomme? Arrête. C'est impossible, moi c'est la daronne. Mec, c'est pas elle. Ça devient politique très très vite par ici, j'aime beaucoup. C'est pas elle. C'est pas elle! C'est elle, mon petit chef. Maillon. Mon petit chef. Ah, mon petit chef. C'est pas comme ça qu'il l'appelait dans les lettres? Oh putain, non, mais arrête avec tes. Hey. J'ai ah bah oui! De reportage sur le. Tu vas trop loin. Non, mais il a tout dit! Tu vas trop loin, toi. Ah putain. Vital là. Mais t'es que j'ai rien fait! Mais tu sais qu'en plus, je sais même pas ce qu'il chante en plus, ce mec, genre. Ah bah. Je pense qu'il chante des trucs complètement random en fait. Non, je pense que ça doit être un ancien opening de. Ou un ending d'Evangelion, gros. J'ai juste envie de le retrouver. En fait, je connais que l'opening que tout le monde connaît en fait. Oui. Mais je pense qu'il doit y avoir. Soit un autre opening, ouais, après, genre ouais, souvent. Il doit y avoir 150 000 openings. Souvent, ici, quand t'as 24 épisodes, les mecs ils font un opening pour 12 épisodes et après dans le coin. Justement, ouais, ouais. C'est exceptionnel, c'est super, parce que tu joues, mais c'est pas grave. 92 centimes. Excuse-nous, j'en ai rien à foutre. Ouais, t'inquiète, bah attends. Juste le Rick, c'est très bien qu'il va le gagner à la prochaine Poké Race, donc à un moment donné. C'est exceptionnel, 92 centimes. J'en ai rien à foutre. Juste ouais. Il a pas de destruction, c'est exceptionnel, camarade. Ils sont vraiment stylés par contre, hein, quand ils sont en or comme ça, que ce soit Magikarp et tout. Ouais. Azumarill et tout, c'est... Non, Azumarill. Un reel. C'est exceptionnel comme article. Bittal, j'en ai rien à foutre. C'est tellement une masterclass, ouais, mais absolue. Ah, c'est bon. Le mec, on a plus rien à foutre. Ouais, c'est bien, tu vois, genre, c'est bien. Genre, moi, j'aurais jamais osé faire un truc comme ça. C'est exceptionnel comme article. 92 centimes. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre.
c'est le meilleur. Mais en fait, tu sais que j'ai compris un petit peu le lore, enfin le lore derrière cette vidéo entre guillemets. Genre, en fait, le mec quand il fait juste ouais, en fait, ouais. C'est parce que la vieille en fait elle a dit ouais. Oui, bah genre, oui, c'est pour ouais. Ça. Mais c'est en fait, ça, du coup, genre, juste ouais. Ouais, genre juste comment ouais. Ça juste ouais. Pour des vieilles fleurs de merde, tu vois. Ouais. Genre, oui, mais il est trop. Ce qu'il faut savoir, moi j'ai vu le docu en entier, du coup, parce que je l'avais vu en direct sur Twitch. Avec oui. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait rupture. Il a pas été livré sur ses fleurs. Et elle c'était vrai. Une grosse cliente qui était une habituée et qui devait avoir c'est sa livraison vrai. Et elle l'a pas eu. Et du coup, il court dans tout le truc pour récupérer des fleurs et il a pas les fleurs ah qu'elle oui. Voulait. Et ouais. Du coup, il lui propose tout en fait, sauf ce qu'elle veut, puisqu'il l'a pas. Et du coup, c'est pour ouais. Ça, elle en a rien à foutre. Eh oui, elle est obligée de vendre. Et c'est ouais. Ça. Juste moi. Ouais. C'est exceptionnel ce que je te juste propose. Juste ouais. C'est exceptionnel comme article. 80 centimes. On est rien à foutre. Non, c'est vraiment des meilleurs reportages. Rungis, putain, j'ai envie d'aller à Rungis. Je m'en fous pas. Ah je oui. Qu'est-ce que tu vas aller faire à Rungis? Non. Ou c'est le potager. Ou pas, non, non c'est vrai, je m'en fous. C'est morose. Je m'en fous. Non, même ça, je m'en fous. Ouais, non, ouais, c'est non, même ça, je m'en fous. Incroyable. Il avait raison. Il non il est pas voyant. Fils de pute, il fait lutte. Ah, ah so long. Attendez, vous pouvez cligner des yeux? Ouais. 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 Vas-y, ouais. Je cligne des yeux très ah des yeux très rapidement. Ok. Je fais un AVC. Non, mais ça va. Ouais, mec, putain, waouh. Waouh, j'ai cligné des yeux et tout, trop bien. T'as trop bien, t'as relancé ta chaîne si vite, mec, c'est incroyable. Ah, mais il s'est rien passé. Il ne s'est rien passé. Putain, t'as relancé ta chaîne tellement vite. Ça. Hier, je me suis fait baiser par Lutz, du coup, je me suis dit, bah, je save parce que ça. Et pourquoi tu mets un HP ouais, mais Lutz, t'es le protagoniste. Pour qu'il appelle à l'aide. C'est soit comme un... ça que ça se... Putain, mais c'est incroyable comme système. Ouais. Putain, moi, il y a de... quand même un peu de la merde, mais... En fait, le problème, c'est ah qu'il oui faut... En fait, il faut vraiment un setup très précis si tu veux vraiment faire des combats infinis. Typiquement, en fait, il te faut, genre, un Décédiande avec... c'est recyclable. En source bois, pas Décédiande. En source bois. Oh, ouais, Bah non, c'est son évolution, merci. C'est bien Décédiande. Ah, ok, my bad. Ouais, ouais, ok. Avec, du coup, c'est recyclage, je crois, la capacité spéciale. Et une baie, me peau, je sais plus comment ça s'appelle. Et en gros, port, ouais. Tu échanges ton objet et tu échanges ta capacité spéciale. Comme ça, en fait, le Pokémon en face bouffe tout le temps en fait la baie me peau et il peut jamais tomber à court de. Oh, excellent! Mais c'est dingue! Mais non, mais la baie elle est pas utilisée qu'une seule fois? Ou genre c'est à l'infini? En fait, avec recyclage, tu peux utiliser la baie autant de fois que tu veux. Oh. Mais c'est une dinguerie! Ah oui, non, mais recyclage c'est trop fort comme. Après, je crois que ça a été. Alors attends, est-ce que ça a été nerfé? Ah ouais, tu mets tout le temps une bicite russe, tu pètes ton... Ouais. Le mec il pète son crâne en face. Putain là. Ouais, non. Il avait raison, Yon, que ça se trouve, il se voit pas. Mais mec, je faisais que dire ça, tu me disais, mais fille, quoi. Il avait raison, j'étais pas dans le coup. Eh, Biljola, dis j'accuse, moi je dis je m'excuse. Tu le dis beaucoup, je m'excuse quand même. C'est beaucoup de fois que tu t'excuses, arrête, j'ai remarqué. Arrête. Non, c'est la troisième fois. En un an. Oh non. La troisième fois du début de la semaine, on est marre. Je sais me remettre en question, Young. Bon. Voilà, ouais. Je fais des erreurs. J'aime explorer ma. Oh ta gueule, toi. J'aime. Tu sais que Young, je regardais à moitié ton. Putain, ton mais il a refait. T'sais, le coup, je vois des étoiles partir, je suis là en mode. Oh, y'a Starry. Il a refait lutte, ce fils de pute, faut que je le tue. Bah ouais. Ah oui, la save elle a 4 minutes aussi, c'est trop con. Ah. Tiens, tout con évolue, tiens. Bon, faut que je le tue, c'est bon. Rêve de l'avoir, je pense que ça va être... Ah mais tu l'as pas tout canon. Elle est dans aucun jeu, frère. j'ai que noir et blanc et je me suis arrêté aux ruines. Alors, si tu veux une excellente save, oui, à ton nom. Mais tu sais que pour moi, c'est du cheat, parce que j'ai aucun de... Enfin, j'ai pas beaucoup. Ah, t'as pas les Pokémon 7G? Ah non, je les ai pas. Ah, moi c'est pour ça, moi ce truc je le fais pas tant cool dans mon live in deck, j'ai pas cette première gêne en fait. Ouais voilà c'est ça ouais. Je comprends. Je comprends beaucoup, je comprends pas vraiment pour comment tu... Computer Computer enlève de mauvaises réponses. J'ai pas la ref mais je sens que c'est exceptionnel. Mec t'as jamais vu c'est exceptionnel. Qui veut gagner de l'argent en masse? Qui veut gagner de l'argent en masse? Ah mais oui ça vient de ça putain c'est vrai. Oh je suis trop con. Mon cher Guy Saint-Hilaire, vous jouez pour 1000 euros.
Et ça, ça en fait des putes. La réponse D. La réponse D, ben, tout le monde connaît la réponse. Je pense pas que c'est dans la A, ni la B, encore moins la C. Et la D, je ne sais pas. Il l'a fait trop bien, c'est un truc de ouf. C'est vrai. Mais oui. Mec, quand j'étais gamin, j'écoutais tout le temps ça, gros. J'écoutais Régence quand j'étais gamin. Ouais, moi aussi. J'en suis regardé Jean-Luc Reichmann tous les midis aussi. Ah oui. Ouais, puis après, il s'est tordu, c'est ça. Ouais, finalement. Bon, en tout cas, j'ai une très mauvaise nouvelle à t'annoncer. Qu'est-ce qu'il y a? Je ne trouve plus le logiciel à 70€. Ah, bizarre. On avait besoin de lui. Ouais, de fou. Mais il est à 100€, donc... mais vas-y, ça fait quand même un peu cher, en vrai. Non, mais tu... Moi, j'attends qu'une chose, c'est que vous tombiez pour escroquerie en bande organisée. Les deux. Les deux, quand ils vont tomber. Oh là 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 là. Et que si je dois tomber, je dois tomber pour faux. Et Monsieur Zura, vous êtes convoqué au tribunal de son prénom Yori. Encore une fois, moi je prends pas, c'est juste les clients qui me disent, bah franchement... Ah, ouais, prépare ta défense, tu as raison. Ah, devant le procureur, va falloir des arguments. Ouais. logique. Tu en vrai ma défense. Ah bah, voilà. Final. Du coup, 15-0 au tribunal. Je pense pas. Je pense pas non plus. Et que Yuri va en prison, il ressort avec 80 kilos de muscle, 100%. C'est la terreur de la prison. Kilos de muscle. 80 quoi? J'ai pas compris. Kilos de muscle. Ah oui, au moins. Genre, t'es la terreur de là-bas, t'imagines? J'ai déjà 80 kilos de graisse. Tu fais ok, t'imagines un nouveau, il rentre. Et lui, c'est qui? Lui, t'approches pas de lui. C'est... On l'appelle Yuri Zura. On l'appelle l'étrangleur. Il a déjà tué 3 co-détenus depuis qu'il a eu. Mort par strangulation. Non, en vrai, faut que je me remotive genre à aller marcher ou quoi, mais j'ai trop la flemme. Pour moi, tu te muscles, t'es l'homme de la situation. Vital là. Tu sais que je suis à deux doigts de relancer la 7G, là, c'est très très grave. Mec, j'aime trop l'ambiance. Mais vraiment, moi, je te dis, depuis que j'ai refait bah, du coup Ultra Soleil, mais vraiment, j'aime beaucoup la 7G, franchement. Ouais, je pense qu'on s'est fourvoyé. Ouais, on s'est fourvoyé. En fait, je pense que ouais, on est... Ouais, juste ouais. Ouais, juste ouais, c'est exceptionnel. Non, en vrai, genre... Je sais pas, je pense qu'on est trop parti sur des mauvais a priori et on s'est dit non mais c'est ouais. Alors qu'au final, bah c'est... Bah si, c'est pareil, hein, il a refait et maintenant... Ouais mais en fait, mais moi je l'ai refait entre guillemets à cause de ça. À cause de lui, parce ouais. Parce qu'il disait que c'était trop bien et tout et moi j'étais là en mode bah non, c'est pas bien. Et en fait, c'est chien quoi, si. Oh et vas-y, qu'ils aillent tous niquer leur mère, je le relance. Ça fait un mois que j'ai... D'accord, il y a noir... Moi en fait, il faut que je fasse noir-blanc. Enfin, noir-blanc, noir-blanc 2. Tu veux que je te prête la carte tous? Ultra Usul. Ah ouais, c'est... Putain, y'a pas un truc à faire. Non, c'est Soleil Lune et après c'est Usul. Et Ultra Lune. Ah oui, ok, c'est Ultra. Non, mais en vrai, Soleil Lune, ça sert à rien. Fais direct les Ultra, mec. C'est incroyable, comment... T'es chèque, mec, Ultra Usul. En vrai, Soleil Lune, ça sert à rien de les faire. Ouais, ça sert à rien. Ah ouais. En fait, c'est pas une suite, en fait. C'est la même histoire, mais avec différentes POV. C'est comme Diamant Perle Platine, en fait. C'est vraiment fou. Ah, ouais, c'est... Ils ont vraiment fait ça après que j'ai pris une solution sur la main, donc... Oh non, vraiment. Donc en vrai, tu fais noir-blanc 2. Ouais, soleil, t'as même pas de débat avec les ultra brèches et tout. Ouais. C'est en fin de jeu, t'as juste une ultra chimère qui pop à un endroit de la map, tu la combats, tu la captures, fin du truc, voilà. Ah, et super, tu peux même pas, même pas les recapturer ni rien. Écoutez, je suis ni Pokémon Crystal. Ouais. Je le commence. En vrai, Pokédex d'Alola, 22%. Hein. Ah oui, c'est OMG, vrai qu'il y a... J'ai le flambeur. Il y a des perruques. Là, le flambeur. Oh, oui. Oh, mais il y a tellement... Non, mais attends, il y a tellement de Pokémon, par contre. Ah bah oui, il y a tous les Pokémon. Hein, mais... Juste dans le Pokédex en fait, d'Alola, il y en a 400, en fait. Ah. Il doit être long à faire le Pokédex. Ouais, ouais. Ouais. Bah c'est combien, c'est 700? Ouais, il y en a plus de 700 du coup, s'il y a absolument pas de Pokémon. À la limite, je ferais le Masuda pour le tout canon, mais...
Mais je pense que t'as besoin que des 400 pour enfin que de 400 pour bah pour avoir le charme chroma et tout. Ah non 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 non. T'es sûr parce que moi ça s'arrête à 400 sur Necrozma. Hein. Ah non parce que il faut qu'il te donne tous les tampons en fait. T'es tous les tampons de toutes les îles. Et... Ouais mais j'ai fini le jeu en fait. Ouais mais en fait c'est et les tampons. Le dernier Pokémon c'est Necrozma à 400. Bah non non. Après t'as Solgaleo à 389 et tout, non mais si. Bah genre, ou alors il te donne un autre Pokédex après que t'aies fini le premier, mais... Bah le national. Mais alors pourquoi il serait pas... Attends, on reset. Je vois. Faut déjà que je finisse l'épisode Rainbow Rocket, je sais pas quoi là. Ah ouais, 403. Ouais, tu et t'as déjà le Natio ? OMG, bah, Young, attends. Non, moi c'est juste Pokédex d'Alola, moi. Pas national ou je sais pas quoi, moi c'est juste Alola. Pas tout court. Quand tu vas dans, quand tu ouvres Pokédex, oh, écoute bien ce son. T'as juste Pokédex d'Alola, Pokédex de Mélé-Mélé à Kala. Ah ok, ok, my bad. Ouais, non, tu vois. Ah. Donc non, il doit pas y avoir les 700 Pokémon, hein, en vrai. Pas une double POV que tu proposerais ? Je pense. J'ai. C'est exceptionnel ce que je te propose. C'est exceptionnel ce que je te propose. 92 centimes. J'en ai rien à foutre. Tu proposes des chamallottes là ? Je te propose beaucoup de chamallottes avec son dos vert.